Nous allons nous tenir debout et prendre nos Bibles dans Apocalypse 6 à partir du verset 9 jusqu'à 11.
Apocalypse chapitre 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Wana fungaki lembo na mitano na munaki na sinu na etumbelo milimo na bato oyo babesa makimbeka na tina ilo wana nzambe pe na litatoli oyo bapesa ki. Ils crièrent d'une voix forte en disant, bakangena mungo makasi pe balobaki, jusqu'à quand maître saint et véritable kinotango nini nkolo mosantu pe oyo abongi tardera-t-il à juger et à tirer vengeance de nos sangs sur les habitants de la terre? Oh, mosambisi tina tango nini ngweba kokata ntsatina ya bo likamona biso pe makila oyo ya bato vani na mabele. Une robe blanche fit donner à chacun d'eux et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore. Wana mokoto na pembe pesa mali na bango ebise na mokomoko na bango bozela kino ete bokozwa mwa epemelo, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Kino ete ekokana na ba oyo baninga na bino kat na mosala bandeko na bino oyo ba pesa maki na liwa. Seigneur Dieu tout puissant, kolonza menanguya, te remercions de nouveau pour ton amour envers nous. Te disons merci. Te demandons ton assistance. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Comble-nous de toutes les bénédictions. Remplis-nous de ton onction. Écarte-nous du chemin et que toi-même tu parles à ton peuple. Nous abandonnons entre tes mains et tu commences avec nous et que tu termines aussi avec nous les cultes et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de nouveau et qu'il ajoute ses bénédictions sur la lecture de sa parole. Amen. Nous commençons le cinquième sceau. Et la parole nous dit que dans le cinquième sceau, il n'y a ni cavalier, ni être vivant. Donc le cheval que nous avons vécu dès le premier saut jusqu'au quatrième qui changeait de couleur, même les gens qui montaient sur ce cheval là, maintenant dans le cinquième saut il n'y a ni cavalier, celui qui montait, ni cheval. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, l'église est partie dans l'enlèvement. Donc l'église ira dans l'enlèvement dans le quatrième saut. Et au paragraphe 84, il dit qu'il n'y aura pas d'être pour faire l'annonce. Il n'y aura pas de gens pour donner l'annonce, communiquer. Voici ce qu'il en est selon la révélation que le Seigneur Jésus m'a montré. Vous voyez, où ce matin très tôt, en ce moment-là, le mystère des âges de l'église est déjà terminé. Le mystère des âges de l'église, c'est terminé en ce moment-là. Le mystère de l'Antichrist a été révélé. L'Antichrist a fait sa dernière chevauchée et nous l'avons vu qui montait son cheval de la couleur pâle, de bien des couleurs mélangées, et il continue sa chevauchée jusqu'à la perdition. Amen. Amen.
Donc tout ce qu'il a fait, tout son secret était dévoilé. Et aujourd'hui nous connaissons qui était celui qui montait sur le cheval blanc, le cheval roux, le cheval quoi, noir et les autres là. L'agneau a dévoilé son secret, c'était l'Antichrist. Et nous avons vu que l'Antichrist est celui qui est contre la parole de Dieu. C'est lui qui ne veut pas de la parole de Dieu. Et c'est lui-même qui a mené la paix, la perversion de la parole. Pour remplacer la parole à des dogmes. Et nous avons vu qu'il a tué beaucoup de gens qui ne voulaient pas s'adhérer à leurs dogmes. Donc tous les secrets de tout ce qu'il faisait là étaient déjà révélés. Et l'épouse qui a reçu quoi cette révélation est partie déjà à l'enlèvement à partir du 4. Amen. Donc vous devez comprendre ces choses. Dieu a voulu révéler ses secrets pour que nous puissions en connaître. Et ce n'était pas réservé pour tout le monde. Ces secrets étaient réservés tout simplement pour le temps de la fin. À nous qui sommes appelés petits enfants. Amen. Et au paragraphe 87, il dit ceci. Mais la raison pour laquelle il les révèle, que je comprends, c'est parce que le mystère du livre de la rédemption pour ce qui est de dévoiler l'Antichrist. Au monde, ça m'a secret antichrist. Au monde, ça m'a secret où il y a mon terme la Christo. En même temps, l'Église est partie à... et ces choses-là ne se passent même pas pendant l'âge de l'Église de tout. C'est vrai. Ya solo. Elle ne passe, elle se passe après l'âge de l'Église. Et l'Église est partie dans l'enlèvement en ce moment-là. Absolument. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et ne retourne pas sur la terre avant qu'elle revienne avec son roi. C'est-à-dire quand nous serons enlevés. Nous serons là fêter la fête de 3 ans et demi. Et après nous reviendrons de nouveau avec le roi des rois qui est le Seigneur Jésus Christ. Ce n'est pas du blague. Je vous montre des choses vraies. Les gens qui iront à l'enlèvement vont revenir avec Christ ici sur la terre. Et ce sont eux qui vont juger ce monde. Amen. Amen. Ils vont redescendre avec le roi des rois. Au chapitre 19. Mais c'est ça ici. Il révèle ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Voyez. Et maintenant, ce qui devait arriver pendant l'âge de l'Église a été révélé par ces sceaux. Et maintenant, regardez ce qu'il en est. Bon, car en ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce cinquième saut, vous voyez l'Église est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, en dessous, sous l'autel, les gens pensaient peut-être que ce sont les âmes de l'Église primitive. Ce n'était pas les gens de l'Église primitive. Mais alors, qui sont ces âmes? C'est ça qu'il faut voir. C'est ce qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'Église primitive, alors
C'est qui? C'est Israël. C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés. Hein, c'est Israël. C'est Israël même. Parce que nous, en ce moment-là, nous sommes déjà partis. Et nous, nous sommes l'épouse de Christ. Et Israël sera en tant que nation. Amen. Amen. Ce sont eux. Même les âmes qui sont sous l'autel. Ce sont les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ce n'est pas nous. Ou peut-être l'église primitive. Non, ce sont les enfants d'Israël. Maintenant, il y a les âmes qui crient sous l'autel. Quels sont ces gens-là? Parce qu'en ce moment-là, l'église, les chrétiens sont partis dans l'enlèvement. Donc, les âmes sous l'autel, c'est les enfants d'Israël. Les gens qui ont rejeté le Messie et qui n'ont pas reçu des robes. Amen. Amen. Vous connaissez ce que signifie la robe? La robe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les Amen. Gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit et qui mouraient pendant cette période-là, ce sont ces gens-là qui crient jusqu'à quand il va venger nos sangs. Parce que le prophète dit que l'épouse ne peut pas réclamer la vengeance comme ce que faisait Saint Étienne. Quand on le tuait, il pouvait dire: oh Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Même pour Christ, il a demandé pardon pour ces gens-là qui les maltraitaient. Mais les gens, les sangs qui demandent vengeance, ce sont des païens, les gens qui n'ont pas reçu leurs robes. Parce que celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne fait que prier tout simplement pour celui qui les maltraite. Amen. C'est comme ça avec les chrétiens. Quand on tuait Jésus, il n'a pas vengé contre ces gens-là. Même quand on tuait Saint-Étienne, il n'a pas vengé contre ces gens-là. Il priait tout simplement pour ces gens-là. Que Dieu les pardonne. C'est ça un chrétien. Amen. Mais ici, parce que les enfants d'Israël, ils sont nés avec ces principes-là. Et ils sont là, œil pour œil, dent pour dent. Observez même ce qui se passe là aujourd'hui. Quand les Hamas sont entrés là, ils ont tué quelques gens de leurs membres. Maintenant, ils continuent la guerre pour tuer même plus. Chez eux, il n'y a pas de pardon. C'est toujours la vengeance. Amen. Ils sont là pour venger. Et c'est pourquoi ils étaient là pour crier. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas venger nos sangs. Nous, celui qui va venger contre nos sangs, c'est le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'elle laissait la vengeance et la rétribution à Dieu. Et au paragraphe 224, dit que Paul a dit que si quelqu'un d'autre, même un ange, prêcher un autre évangile, que lui arriverait-il? Il sera maudit, il sera donc anathème. Observez, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez le mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Certaine partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que l'accomplissement ou la totalité des païens soit entré. Oui. Pourquoi?
Ni t'était l'endurcissement des enfants d'Israël. Nous ne nous serions jamais sauvés. Nous ne bi to amen. Mais quand Jésus s'est présenté en Israël, Israël n'a pas voulu le recevoir. Il a traité de tout monde. Mais c'est un Belzéboul. C'est un scieur de bois. Mais c'est le fils de Joseph. Lui ne peut pas être notre Messie. Mais les gens qui avaient reçu la révélation pouvaient comprendre que c'est lui le Messie qui devait venir. Comme la femme au puits. Elle a vite compris la révélation. Quand Dieu a révélé son secret, il a couru en ville dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit le secret de tout mon cœur. Et moi je crois que c'est lui le Messie qui devait venir. La femme au puits a compris la chose, mais d'autres gens ne comprenaient absolument rien. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont traité de tout nom. Oui, ils ne voulaient même pas de lui. Non, cet homme, c'est un semeur de troubles. Et à partir de ces rejets-là, alors ces gens-là sont entrés dans la malédiction. Oui, et Jésus finira par dire que ici dans cette ville, il ne restera pierre sur pierre, que vos habitations deviendront des demeures de lézards. Et c'est là où nous avons vu Titus sortir. Il a captivé beaucoup des enfants d'Israël. Il les a exécutés. Nous avons vu Moussoloni venir. Il a tué beaucoup des enfants d'Israël. Et à la fin de compte, c'est Hitler. Tous ces gens-là qui étaient tués. Ah, c'est ces gens-là à qui leurs âmes crient. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas venger nos sangs? Amen. Amen. C'est pourquoi Paul nous a présenté ici. Que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Il faut qu'il y ait l'endurcissement des enfants d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ces païens-là, c'est vous, c'est moi. Et comme nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons vite compris que c'est lui le Messie qui devait venir, et que l'enlèvement c'est à son nom, et le baptême c'est à son nom, pour recevoir le Saint-Esprit c'est à son nom. Oh, alors la chose est accomplie. Et maintenant que je vous parle, Dieu est en train de pousser encore ses enfants, les derniers païens, qu'ils acceptent ce message du temps de la fin. Et à la fin de compte, Jésus va tourner son regard vers Israël. C'est là où il va envoyer les deux oliviers. Quels sont ces deux oliviers? C'est Moïse et Élie. Ils vont prêcher l'évangile là, pour préparer les 144 000 membres. Cependant, nous nous sommes là en train de fêter la fête des noces. Alléluia. Amen. Si Israël était endurci, c'est pour que nous nous puissions trouver chemin d'accepter la parole de Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur et de devenir des chrétiens. Amen. Amen. Si Israël acceptait le Messie directement, nous nous serions perdus. Amen. Amen. C'est comme ce qui s'est passé avec les rois. Assyris. Il fallait que Vashti refuse le mariage pour qu'Esther trouve place. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction. Et nous nous avons trouvé grâce devant Dieu. Israël était endurci là-bas. Oui, il ne pouvait pas croire au Messie. Non. Mais nous, quand l'appel est lancé,
Quand la trompette a sonné, oh, nous avons compris Alléluia, que voilà le Messie. Et là, et le salut, oh, le bico, la repentance, c'est à son nom. Gloire à Jésus. Et c'est là où nous sommes partis. C'est là où vous avez eu le privilège d'accepter ce message. Pourquoi? Parce que vos noms étaient écrits dans les livres de l'agneau avant la fondation du monde. Vos noms étaient écrits dans les livres de vie. Amen. C'est pourquoi vous êtes là. Sans cela, peut-être vous serez dans des bars. Peut-être là au petit marché là. Faire vos occupations. Mais cet appel là, cette trompette qui a sonné, c'est ça qui a réuni les enfants de Dieu. D'autres qui sont venus du nord. Les uns vers le sud, les autres vers l'est, oui, les autres vers l'ouest, et nous sommes là. Ceux qui sont venus de Bakouanga là-bas, qui sont venus du Congo central, qui sont venus de Kisangani, qui sont venus de partout, nous avons pris un seul Messie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Voilà le plan que Dieu a placé. C'est ça le plan de la rédemption. Donc Israël devait être endurci. Il ne pouvait pas accepter Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 225. Il faudra que le dernier membre de l'épouse des nations fasse partie de l'épouse. Le dernier membre. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons vu les Pygmées croire la parole de Dieu. Les Chinois croire la parole de Dieu. Les Arabes, il y a d'autres Arabes même qui ont crié la parole. Dieu est en train d'appeler ses enfants partout où ils sont. Peu importe là où vous pouvez être, Dieu est censé frayer le chemin pour que vous puissiez venir et accepter la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'Israël est encore dans l'endurcissement. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, un libérateur viendra de Sion. Quel est ce libérateur là? C'est le Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui va susciter les deux oliviers et les envoyer là-bas. Le même Moïse qui était mort. Le prophète dit que quand Moïse était mort, il n'était pas enterré là. Les anges sont allés prendre le corps de Moïse. Elle est ramenée là-bas. Moïse est en attente parce qu'il a encore un autre travail à faire. Le même Élie qui est allé dans l'enlèvement, il reviendra de nouveau ici. Les deux vont descendre en Israël pour prêcher Israël. L'un sera du côté nord, l'autre du côté sud. Ils vont prêcher le même évangile que vous écoutez pour préparer les 144 000 membres, 12 tribus de la tribu de Issachar, 12 de la tribu de Ruben. C'est comme ça jusqu'à ce qu'ils vont atteindre 144 000 membres. Amen. Selon ce qui est écrit, un libérateur viendra de Sion et il détournera pour Jacob les impiétés. Amen. Amen. Et c'est exact. Or, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Regardez bien. Si Israël a été aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. Amen. Les croyez-vous? Il pose la question, croyez-vous cela? Oui. S'ils étaient aveuglés, même s'ils sont aveugles jusqu'aujourd'hui, c'est pour que nous puissions être sauvés. Amen. Maintenant, qui est
qui les a aveuglés? C'est Dieu. C'est Dieu qui a aveuglé ses propres enfants. Il nous a donné la loi de la priorité. Oui, il a donné privilège à nous qui étions délaissés, qui ne connaissaient absolument rien, qui étaient dans l'esclavage des péchés, les gens qui étaient des voleurs, des criminels, des impudiques, des saoulards. Mais la grâce de Dieu a fait qu'aujourd'hui nous soyons appelés chrétiens. Oh, quelle grâce! Maintenant que je vous parle, Jésus-Christ est sur son trône de grâce. Il est sur son trône de grâce, intercédant pour chacun de nous. Alléluia! Jusqu'à ce que les derniers chrétiens, les derniers membres de l'épouse puissent accepter le message du temps de la fin. Que celle-là puisse recevoir la robe qui est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez le plan de la rédemption? C'est ce que Dieu avait préparé pour nous. Amen. Amen. Pourquoi ces juifs-là ne devaient pas être sauvés? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu la robe. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils pouvaient régner Jésus-Christ. Malgré tout ce que Jésus avait accompli là en Israël, il a guéri les malades. Il a délivré les captifs. Il a rendu la vie aux aveugles. Les boîtiers même ont marché. Mais ils ne voulaient pas croire à lui. Ils étaient endurcis. Jésus guérit un malade les jours de sabbat. Ça devient tout un problème. Voyez, parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Oui, mais tout cela, c'est à cause de vous, à cause de moi, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Et c'est nous l'épouse qui va quitter la terre en premier lieu. Nous irons à l'enlèvement comme Élie est parti, comme Jésus lui-même est parti. Nous allons quitter la terre en un clin d'œil. Nous allons quitter pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Préparez-vous, frères et sœurs. Il y a plus de temps. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde entier, cela nous montre que le temps est arrivé à sa fin. Préparez-vous en conséquence. Les Juifs ne pouvaient pas recevoir la robe parce qu'ils attendaient que l'épouse puisse d'abord recevoir sa robe, sa robe du mariage. Amen. Parce que l'épouse ne demande même pas vengeance. Mais les Juifs ne connaissent pas la grâce ni le pardon. Les Juifs vivent sous le principe de l'œil pour l'œil et dent pour dent. Oui, vous essayez de faire quelque chose de mal à un Juif. Vous avez tué une personne et ils vont vous tuer même 10. C'est comme ça. Aujourd'hui que je vous parle, ils sont entrés même dans des tunnels sous-sol. Poursuivre les amas, les captiver même là-dessous. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. Or, pour que les deux oliviers descendent là-bas, il faut que la guerre d'Armageddon soit prête. Oui, la guerre d'Armageddon, c'est quoi? Cette union-là des pays d'Arabes qui vont s'unir tous pour combattre Israël. Ce qui commence là, ce n'est que le début. Mais avant que cela vienne, nous nous serons déjà là au ciel. Nous ne allons pas passer dans la tribulation. Amen. La tribulation, c'est pour eux et les gens de ce monde. Mais nous qui sommes dans le message du temps de la fin,
Et baptisé le Saint-Esprit, nous irons à l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi le prophète montre que l'église, l'épouse, ira à l'enlèvement au quatrième saut. C'est ce que nous avons prêché. Ah, amen. Amen. C'est au quatrième jour que l'épouse ira à l'enlèvement. Quand ces choses-là vont commencer à surchauffer sur la terre, nous ne serons plus là. Même quand le conseil ecuménique va commencer à mettre chaud, nous nous serons déjà partis. C'est pourquoi Dieu est en train de nous vêtir. Il est en train de nous armer d'une très grande puissance. Au fur et à mesure que nous approchons à la venue du Seigneur Jésus, l'onction ne fait que monter parmi nous. L'onction ne fait que grandir jusqu'à ce que nous allons atteindre un niveau où vous allez prononcer la parole et la chose arrive directement. Amen. Amen. C'est ce que Dieu prépare pour nous. Voilà son plan de la rédemption. Amen. Amen. C'est exact. Ah, c'est exact ça. Oui. Ils se sont débarrassés de Jésus. Ils se tournent quand même vers eux. Parce qu'ils avaient été aveuglés. Mais après, quand ces deux oliviers seront là, ils vont recevoir leur robe. Ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il va les préparer pour nous suivre là-bas. Il va les emmener tout droit à la maison. De toute façon, ça ne change absolument rien. Parce qu'il a déjà dit, je vais les sauver tout. Je vais les sauver tous. De toute façon, maintenant le verset 10. Remarquez, il réclamait vengeance. Voyez, or, ils étaient agis de l'épouse. Ils auraient fait comme Étienne. Père, père, pardonne-les. Ça, c'est l'épouse. Mais les juifs, non, pas de pardon. Ces juifs, ces 144 000 devront être appelés par les deux témoins. Les deux oliviers d'Apocalypse 11. Maintenant, vous vous rappelez, il devait prophétiser. Quels sont ces deux témoins-là? C'est Moïse et Élie. Et les hommes de ceux qui avaient été martyrisés. Là, pendant cette période de ces vrais ou authentiques juifs. Pendant cette période-là, dont les noms étaient écrits dans les livres, et qui avaient vécu de vieilles de vie droite, qui avait fait ce qui est juste, qui se conformait au judaïsme, à la lettre, ils avaient été martyrisés par Ekma et beaucoup d'autres. Des gens honnêtes. Des millions d'entre eux là-bas. Les Allemands les ont tués. Ils les ont fusillés. Assassinés, tués, perdus. Pendus même à des clôtures. Brûlés. Détruits dans des fours. Crémastoire. Et tout. Ces hommes exsangues assoiffés de sang. Hitler. Staline. Mussolini. Et tous ces gens-là qui détestaient les Juifs. Ce sont ces gens-là qui ont tué ces enfants d'Israël. Les âmes qui crient sous l'autel. Jusque quand, Seigneur, jusque quand tu vas venger nos sangs, Dieu ne
peut pas venger l'heure sans temps que nous nous sommes encore là. Amen. Nous nous devrions d'abord quitter. Et ensuite, Dieu va venger l'heure sans. Amen. Maintenant, suivez attentivement. 253. Dans leur aveuglement, ils avaient martyrisé leur Messie. Et maintenant, c'est pour ça qu'ils récoltent. Amen. Ils en ont pris conscience. Et ils s'en sont rendus compte qu'après que ça s'est passé, ils ont alors compris quand ils sont arrivés devant l'autel de Dieu. Maintenant, la grâce de Dieu leur est accordée. C'est en ce moment-là. Quand ils vont pleurer, les gens vont pleurer en Israël. Comme on pleure un fils unique. Comme on pleure un fils aîné. Amen. Ils vont pleurer dans toutes les familles. Parce que les gens vont mourir en grand nombre. Cette guerre-là va tuer beaucoup de gens. Amen. Et quand maintenant ils vont pleurer, implorer la miséricorde de Dieu, quand ils vont reconnaître que c'est eux-mêmes qui ont tué le Messie, oh là, le Messie maintenant va descendre. Il va quitter là-bas pour venir se présenter à son peuple. Comme Joseph s'est présenté à son peuple. Et voilà, c'est vous qui m'avez vendu. Mais heureusement, oh, Potiphar m'avait récupéré. Et aujourd'hui, je suis devant le roi. Devant Pharaon. C'est moi, votre frère, que vous avez vendu. Et les gens vont pleurer. Ils vont s'agenouiller pour l'adorer comme ils ont adoré Joseph. Maintenant, là, ça sera le roi des rois. Les Seigneur des Seigneurs qui va descendre avec ses sigmas sur ses mains pour leur dire: mais voici, je suis votre frère, c'est moi le Messie qui devait venir vous apporter la vie éternelle, vous accorder le salut. Mais regardez ce que vous m'avez fait. C'est là où ces gens-là vont se repentir. C'est là où il va récupérer les 144 000 membres. Parce qu'ils auront maintenant leur robe. Amen. Là, ils auront leur robe. Or, en fait, Moïse est mort. Mais il est ressuscité. Parce qu'il était un type parfait de Christ. Ah, à cette époque-là. Voyez, personne n'a jamais su où il avait été enterré. Personne. Les anges sont venus le prendre. Ils sont allés le prendre sur un rocher. Voyez, ce sont les anges qui ont apporté son cercueil. Pourquoi? Aucun mortel n'aurait pu l'emporter. Oui. Là où il allait, il a joué un rôle. C'est tout. Ce sont les anges qui ont emporté son cercueil. Voyez. Parce que ce sont eux qui l'ont emporté. Là où il devait aller, personne ne le sait. Amen. Amen. Et ils vont prophétiser. Ces deux témoins vont prophétiser au temps de la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire les derniers 3 ans et demi. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus est venu dans ce monde, il a prêché l'évangile pendant 3 ans et demi. Et après, il est mort. Or, il faudrait quand même que ça
prédication termine. Il fallait l'accomplissement de ces 7 ans. Et qui accomplisse les 7 jours. Qui a été prédit dans les 70 semaines de Daniel. Alors, comme Jésus a fait 3 ans et demi. Et ces deux Olivier, Moïse et Élie, ils vont continuer, ils vont faire encore 3 ans et demi. En Israël, pour accomplir les 7 ans. 7 ans. Qui est le 7 jours? Alléluia! Amen. Les choses que Daniel avait vues dans la prédication 70 semaines de Daniel. Amen. C'est Moïse et Élie qui vont compléter ces 3 ans et demi. Or, pendant ces 3 ans et demi qu'ils vont prêcher, nous sommes là en train de fêter la noce. La noce fera 3 ans et demi. Frère, ne ratez pas ces jours-là. Ne ratez pas ces jours-là. Nous allons partir. Nous allons fêter avec le roi des rois. Amen. Le prophète même dit que quand Jésus va descendre en Israël, nous serons à côté de lui. Oh, quelle grâce! Nous serons là avec le roi des rois qui vont prononcer la parole pour récupérer son peuple. Amen. Amen. Et après les 3 ans et demi là, quand Israël viendra, maintenant nous allons faire 1000 ans. Une fête de 1000 ans. Il n'y a pas de quoi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de troubles. Il n'y a pas de maladies. Je ne sais pas s'il y a personne qui peut accomplir 1000 ans sur la terre. Même Abraham lui-même, il n'a pas accompli 1000 ans. Même Methuselah, il a fait quelque chose de 900 quelque chose. Parce que s'il y a une personne qui a vécu longtemps, c'est Methuselah. Oui, Abraham même était en dessous de Methuselah. Mais nous là-bas, nous allons faire 1000 ans. Oui. Vous ne mourrez plus. Vous n'avez plus de tentations. Vous n'avez plus des épreuves. Vous n'aurez plus de maladies. Nous serons là en train de chanter des cantiques de méditation. Des cantiques de gloire. Louons les rois des rois. Les seigneurs des seigneurs. C'est pendant les 3 ans et demi. Moïse et Élie vont prêcher l'évangile en Israël. Vous vous souvenez? Nous avons étudié les 70 semaines de Daniel. J'ai dit qu'on en aurait besoin quand on en viendrait. À ceci. Je ne savais pas pourquoi. Quelque chose me disait qu'on en aurait besoin. Et nous y voilà maintenant. Amen. Ces gens-là vont compléter les 3 ans et demi qu'avait laissé Jésus-Christ. Remarquez au temps de Daniel. Maintenant, souvenez-vous. Il a été dit à Daniel que le Messie viendrait. Le prince, ou plutôt le Messie, et qu'il prophétiserait, il restait encore 70 semaines pour Israël. Au milieu des 70 semaines, le Messie serait retranché. Amen. C'est pourquoi on a tué le Messie. Mais il fallait que ces âges-là soient complétés. Que ces jours-là soient complétés. Et voilà les deux Olivier qui viendront compléter ces choses-là. Amen. Amen. Et les sacrifices quotidiens seraient supprimés. N'est-ce pas vrai? Mais il restait encore 3 semaines et demie. Qui ont été fixés. Oui, c'est dans cet intervalle-là qu'il choisit son épouse des nations. Amen. Amen.
Parce que Israël était entré en esclavage. Alors il est resté quelques temps pour qu'il soit libéré. Oui. Mais comme le Messie était retranché, il fallait que cette œuvre-là continue pour que le peuple d'Israël soit libre. Leur liberté, c'est quand ils auront le baptême du Saint-Esprit. Quand ils vont quitter cet esclavage-là, des combats et tous ces problèmes-là. Amen. C'est là qu'ils vont quitter quand même cet esclavage-là. Oui. Voilà le plan que Dieu avait tracé contre nous et les enfants d'Israël. Amen. Amen. C'est nous qui allons quitter la terre en premier lieu. Oui. C'est ça, nous allons quitter la terre en premier lieu. Oui. Dans le livre de l'Apocalypse 6:11, le prophète, la Bible dit ceci. Qu'une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Qui? Banani. Ce sont les enfants d'Israël. Banani Israël. Et il leur fit de cette de se tenir en repos quelques temps encore. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Amen. Donc ceux qui crient là doivent attendre malgré qu'ils auront leurs robes jusqu'à ce que le nombre des autres gens qui vont mourir encore vienne. Soit complété. Et aujourd'hui, nous voyons même les Israélites qui meurent là-bas. Qui sont tués. Ah, il faut que leur nombre soit complet. Amen. Amen. Avant que l'accomplissement de la chose arrive. Et Zacharie 12:10-14 dit. Zacharie 12. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Et des supplications. Et ils tourneront les regards vers moi. Ceux qu'ils ont percés. Ils pleureront sur lui-même comme on pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voyez, quand il va envoyer l'esprit de grâce là-bas, et en ce moment-là, chez nous ici, il n'y a plus de grâce. La grâce est terminée. Si vous étiez un voleur, vous restez d'office voleur. Si vous étiez un critiqueur, vous restez d'office critiqueur. La grâce tourne vers Israël. Pourquoi? Pour ramener les 144,000 membres. Amen. Là où Dieu va pardonner leurs péchés. Là où Dieu va leur accorder quand même leurs robes. Et les gens vont pleurer là. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Matanga. Comme le deuil d'Armino. Dans la vallée de Magidon. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément. Et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément. Et les femmes à part. La famille de Shimei séparément. Oui. La famille de Ruben de Zabilon. De tous ces gens-là. Chacun dans sa famille. Ils vont pleurer. Qu'est-ce qu'ils vont pleurer? Ils vont pleurer le Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous avons tué le Messie. L'homme qui devait nous accorder la vie éternelle. Nous l'avons rejeté. Maintenant, il est là. Amen. Ils vont le pleurer. Et l'adorer même.
Oui. Il dit dans Apocalypse 7, 2 à 8. Apocalypse 7, 2 à 8. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Ok. Et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges. Ah, à qui il avait été donné le fer du mal à la terre. À la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer. Ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué des sceaux sur le front de ses serviteurs de notre Dieu. Ah, vous voyez que ce sont les anges qui amènent des problèmes, des amertumes. Quel l'ange de la mort entre ici, il nous crée des problèmes ici. Oui. Et ce sont les anges qui sont envoyés qui vont créer cette guerre pour que les gens commencent à malmener Israël. Et quand il se tiendra là, il va crier et tous ces gens-là vont arrêter leurs histoires. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Ah, c'est ça là, c'est le Saint-Esprit. De toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda. 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben. 12 000 marqués de sceau. De la tribu de Gad. 12 000. De la tribu d'Aser. 12 000. De la tribu de Nephtali. 12 000. De la tribu de Manassé. 12 000. De la tribu de Siméon. 12 000. De la tribu de Lévi. 12 000. De la tribu d'Issacar. 12 000. De la tribu de Zabulon. 12 000. De la tribu de Joseph. 12 000. De la tribu de Benjamin. 12 000. Vous voyez, même le fils cadet. Ah, Benjamin. Le cœur de Jacob. Voyez. Donc, c'est tous ces gens-là qui vont former 144 000 membres. Des enfants d'Israël qui seront sauvés. Amen. Dieu ne peut pas les perdre. Malgré qu'ils sont encore dans l'ignorance aujourd'hui, ils sont en faire tout ce qu'ils veulent là-bas. Mais le temps viendra. Amen. Quand la grâce va quitter chez nous l'épouse, la grâce va aller en Israël pour préparer ses enfants. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, les blagues font avec la parole de Dieu. Il n'y a plus de temps. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Préparez-vous. Tous les signes que Dieu avait prédits s'accomplissent dans nos yeux. Et quand vous verrez le figuier devenir tendre, et sache que l'été est proche. Le figuier, c'est les enfants d'Israël. Ils sont devenus une très grande nation avec l'étoile de David qui flotte là-bas. Amen. En train de contrôler leur pays, de venger même. J'ai vu même dans la télévision, ils ont encerclé les mosquées d'Omar. Et la Bible dit qu'ils vont détruire ces mosquées-là pour construire maintenant un nouveau temple. Alléluia. Amen. Quand ces choses-là vont commencer là-bas, pour nous les pousses, il n'y a plus de temps. Nous devrions quitter. Ne soyez pas distraits. Vous qui continuez encore à pécher. Vous qui continuez encore à vivre dans le désordre. L'heure est avancée. Bientôt Jésus revient. Amen. Le prophète dit que ces deux oliviers qui vont descendre en Israël seront bien armés. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel. Ils auront le pouvoir de transformer l'eau en sang. Ils auront le pouvoir de faire sortir des mouches. Ils auront le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent.
parce que la parole et la puissance seront sur leurs mains. Ils seront maîtres de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils vont prononcer, cela va arriver. Amen. Et de notre côté aussi, Dieu nous a déjà armés. Nous serons des hommes mystiques avec la puissance de Dieu jusqu'à ce que vous prononcez la parole, la chose arrive directement. Et pour cela, il fallait Malachie 4. Il fallait Malachie 4. Le prophète dit dans la prédication de la fête des trompettes, au paragraphe 47, cependant, le temps des réformes, on a eu des réformateurs, comme nous l'avons prouvé les sept sceaux. Mais maintenant, dans les derniers jours, ça devait être le nouveau révélé. En effet, nous voyons dans les Écritures, dans Malachie 4, qu'une onction doit descendre pour rétablir cette foi originelle et pour ramener la foi des gens à la foi originale de la foi de leur père. Alléluia! Amen. La foi qui était avec les disciples, la même puissance qui marche avec les pierres, avec les pôles, doit revenir au temps du soir. C'est cette foi-là qui va nous préparer pour aller. Et cette foi-là sera accompagnée d'une très grande puissance. Nous aurons même le pouvoir, nous aussi, de fermer le ciel, de prononcer des paroles, et que la chose arrive. Nous serons comme Josué, qui pouvait dire, soleil, arrête-toi à Gabaon. Le soleil s'est arrêté là pour que Josué puisse conquérir toutes ces villes-là. Nous avons réussi ce pouvoir-là. Cette puissance-là est parmi nous maintenant. Alléluia. Avant que ça entre dans ces deux oliviers, ça doit commencer par chez nous. Amen. Pourquoi? Nous aussi, nous avons pris la parole de Dieu. Et nous sommes en train de manier cette parole de manière convenable. Et Dieu est là pour confirmer sa parole. Jean 14, 12 doit s'accomplir dans nos ministères. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. On vous amène un boîtier ici. En lui imposant les mains, le boîtier redressé, il va marcher normalement. Pourquoi? La chose qui était dans Pierre, la chose qui était dans Paul, est maintenant dans chacun de nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le prophète dit que dans les derniers jours, il y aura une petite église minoritaire. Mais à qui je vais déverser ma puissance? Et le témoignage de cette église-là ira plus loin dans le monde entier. Oh, gloire à Jésus. C'est pourquoi nous les voyons se manifester ici. L'onction est en train de descendre. Même dans les enseignements, l'onction descend. Non. Alléluia. C'est la preuve qu'il est avec nous. Amen. Une onction va descendre. Et cette onction là est déjà descendue. Amen. Les jours de la Pentecôte, ce sont les pierres de Philippe qui l'ont réussi. Mais pour nous, Dieu l'a déversé à nous maintenant. Parce qu'il a dit que tout ce qui était déversé en Dieu est descendu, déversé pardon, en Christ. Et tout ce qui était en Christ est déversé dans son église. L'église, c'est vous. L'église, c'est moi. S'il y a des gens qui doivent manifester Jésus-Christ, ça doit être vous. Ça doit être moi. Et Dieu est obligé de confirmer qu'il est avec nous. Alléluia. Voilà le cinquième saut. Oui, il n'y a ni cavalier.
ni cheval. Amen. Amen. Parce que l'église est déjà partie à l'enlèvement. Amen. Amen. L'église est déjà partie dans l'enlèvement à partir du quatrième saut. Et tous ces secrets-là qui étaient révélés, tous ces secrets qui étaient dévoilés, ce n'était pas révélé pour tout le monde. C'était révélé tout simplement pour l'épouse. Que l'épouse puisse comprendre les secrets pour se préparer pour aller à l'enlèvement. Amen. Donc quand l'épouse sera enlevée, il n'y aura ni cheval ni cavalier. Il n'y aura plus d'annonce. Ils vont donner l'annonce à qui? À personne, parce que les chrétiens sont déjà partis. C'est seulement quand Dieu va assister, c'était aux Oliviers, c'était des prophètes. Ils iront en Israël. C'est là où il va l'armer davantage de sa parole. Avec la puissance. Pour ramener ses âmes là perdues. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui pour le cinquième saut. Si Dieu le permet, peut-être le dimanche, je vais prêcher encore le sixième saut. Je vais le prendre un tout petit peu, c'est cinquième, après j'entre dans le sixième. Venez nombreux, venez avant. Pour qu'on puisse reprendre quand même quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur. Priez en paix de mort.
céleste. Zambe molingami tata na likolo. Que ton nom soit loué. Que te komone kumisama. Que ton nom soit glorifié. Kobona yo kebisama. Que ton nom soit exalté. Kobona yo sanjolama. Car tu es digne. Pwete yonde bongi. Ça se fait comme Jean avait vu. O Isaya solo denge yo wana monaki. Qui est digne. Amituda ki nana bongi. De prendre les livres. Yako kamata buku. Et de remplir les seaux. Peko fongola bilembo. Quelle grâce. Oyo ngolo nini. Pour nous. Pour nabiso. Un peuple. Libota moko. Qui ne méritait même pas. Oye kokaki atate. De trouver grâce. Yako zangolu. De connaître les mystères de Dieu. Yako yeba mabomba bina nzambe. Seigneur Jésus, merci. Kolo Yesu batondi. Merci pour le Saint-Esprit. Batondi pour la bolimbo sang. Merci pour le prophète de Branham. Batondi pour la mosakoli Branham. Merci pour le pasteur Baruti. Batondi pour la bokengeli Baruti. Merci infiniment pour le pasteur Njuzi. Batondi zangi suka pour la bokengeli Njuzi. Seigneur Dieu. Kolo nzambe. Un don parmi nous. Oyo zalili kabo katikati na biso. Que ce don soit protégé. Tigete likabo oyo batelama. Protégez ton serviteur. Batela mosali na yo. Bénis-lui encore. Pambole suskoleka. Béni Seigneur. Apambola mankolo. Parce qu'il était né avec un but. Pwete ye abotama kina ntina. Le but ce soir. Tina ngola poko lelo. Une brebis est sauvée. Ezali tempate moko abikisami. Parce que d'écouter de tels mystères. Pwete koyoka baboma bia boye. C'est le pas. Ezali. Donner à tout le monde. Mais nous avons trouvé grâce à tes yeux. Parce que nous avons parlé des oracles si simples. Oh Jésus. Et pendant que Israël est en train de pleurer sous l'autel. Voilà, Israël basali ko lela la scène tumbelo. Le pouce doit être en enlèvement. Moi, c'est la liberté, c'est la reconnaître la main. Alors, Seigneur Jésus, Jésus, laisse que ce soir, si par cette prédication, si quelqu'un avait réussi quelque chose, laisse que cela puisse accomplir ce qu'il dit. Si vous avez écouté sa parole, mais vous n'endissez pas votre cœur. Si un cœur qui est sincère, qui a trouvé grâce à tes yeux, et qui s'est repenti, et la robe que tu avais promis, c'est dans ce message que ce soir, cette personne-là. Puisse recevoir la robe que tu avais dit. Asomokoto oyo lakasi. C'est ça le Saint-Esprit. Yago de Moli Mosantu. Parce que c'est ça le Saint-Esprit. Pwete masango yo kosanga Moli Mosantu. On ne se trouvera pas là-bas. Kuna tokokota te. Là-bas. Kuna. C'est l'amour. Ezali bolingo. L'amour parfait. Bolingo ebongibe. Ton serviteur Njuzi. Mosalo Njuzi. Apprécie sur l'amour. Atei bolingo. Apprécie la sanctification. Atei kobulisa. Apprécie la justification. Atei kolongisa. Et le baptême du Saint-Esprit. Atei Moli Mosantu. C'est toi qui le donne. Yono pesaka ngo. Seigneur Dieu tout-puissant. Est-ce que le Saint-Esprit est promis dans les messages dans le temps de la fin et ici maintenant au nom de Jésus Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Ceux qui sont faibles. Ceux qui ont des problèmes. Ceux qui doivent repentir. Ceux qui doivent mettre leur vie en ordre. Seigneur Jésus. Jésus. La grâce est encore là. La grâce est pour l'épouse. La grâce est encore là. À ce jour-là. Après, Sima. Il n'y aura plus cette grâce. Bolé, pendant que Christ est encore sur le trône, voilà, Christ, il est en train d'intercéder. Oh Dieu Tout-Puissant, oh, sois miséricordieux. Touche les cœurs. Il y a encore les cœurs qui ont encore les cœurs à dire. Oh, si. Oh Jésus, oh, Yesu. Père bien-aimé, tata, le ministère que tu as envoyé dans cette église, c'est pour chercher les âmes. Et les âmes qui étaient perdues, les âmes qui étaient encore en difficulté, aujourd'hui, Lélo. La grâce est là. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci. Matondi. Nous devons te dire merci. Tolobikaka matondi. Parce que Pwete. Nous avons trouvé grâce à tes yeux. Tosingolo la miso na yo. Et cette parole. Yako yoka loba oyo. Une parole si bénie. Loba oyo pambo la parole qui a la vie. Loba oyo sala pomoi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Pambo la libota na yo. Ils sont bénis, Seigneur. Oh bayaki awa. Ceux qui ne sont pas encore là. Oh bayaki te. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Souviens-toi d'eux. Kadise la bango. Visite-les. Kende kota la bango. Seigneur. Kolo. Nous ne savons pas. Toyebite. Quand est-ce que il y aura la résurrection de mort. Et néanmoins, Kasi, nous sommes avertis. Tous nous devons être prêts pour que ce jour-là ne soit pas manqué. Parce que ton serviteur apprécié. Il a apprécié. Il a tout dit. Alobinios.
pour que ce jour-là, aucun sang de quelqu'un ne soit pas encore entre ses mains. Et que chacun répondra. Oh Dieu. Oh Nzam. Comme nous avons trouvé grâce dans cette église, église d'avoir un tel ministère, d'avoir un tel don. Jésus-Christ notre Père. Jésus-Christ notre Père. Nous te prions, Père. Nous te gardons notre pasteur. Veillez sur lui. Laisse que les anges des cieux soient encore dans sa garde. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bénis son épouse. Bénis ses enfants. Bénis les brebis de cette église. Parce qu'ils sont sous sa charge. Lui aussi doit répondre à ces jours-là. Parce qu'ils seront derrière lui. Lui comme les bergers. Et toi le grand berger. Yo baba te lipate monene. Tu vas encore être là. Ozala lisusu. Pour nous écouter. Ozala wana lisusu po yokabiso. Seigneur Jésus. Bolo Yesu. Nous te prions. To bondelio. De nous garder. Obate la biso. Dans la parole. Na kati na liloba. De nous garder. Obate la biso. Dans la foi. Na kati na kondima. Seigneur Jésus. Bolo Yesu. Nous sommes sur le chemin de retour. Toza kati na nzela po na bozo. Ce que nous avons reçu ce soir. O tozi na poko lelo. Ne pas les perdre. Et to bungi sangote. Ne pas les perdre. To bungi sangote. Mais cela soit gravé dans nos cœurs. Parce que soit ici qu'elle mette la biso. Que nos cœurs soient bénis. Que nos esprits soient bénis. Que nos âmes soient bénies. Bon, parce que nous avons écouté la parole de Dieu. Pour ton dîme le malin Seigneur de gloire. Kolo nzambe na kelo. Bénis les dîmes les offrandes. Pabola ba kampe bogona zon. Bénis Seigneur. Nous manquons de moi, te dire nous parce que ta présence est si forte. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont venus malades, guéris-les. Parce que la puissance de la guérison est dans les pouces. Ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont liés, peu importe les influences qui sont liés, soient déliés. Au nom de Jésus, nom de Jésus, Père bien-aimé. Qui ont des problèmes, ceux qui sont troublés, dans ta parole, il y a la paix, il y a la vie. Est-ce que la vie, la paix, la joie, l'amour, soit accordé au nom de Jésus. Est-ce que le repos, qui est le Saint-Esprit, soit accordé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions de demander. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Seigneur Tenkolo, Jésus-Christ a pambo la bino. Venez nombrer les dimanches. Boya ibele, Mukolo yenga. Et arrivez aussi à temps qu'on commence bien avant pour qu'on puisse reprendre un peu la cinquième saut et après on entre directement dans le sixième. Mais boya, Mugamalamo, Poeteto, Zoke la Mamouke et le Boya Mitano, Netokokota, la Wamoto Bambalamoko. Si vous venez en retard, alors je ne toucherai que le sixième saut. Ce qui est en retard et que l'on s'en est en retard, n'a côté à Kakambalamoko et le Mamotoba. Or, beaucoup de gens ne sont pas venus aujourd'hui. Zokabatomingi le Lobaye pété. Ils ont raté. Bazangipe. Venez le matin, comme ça on va commencer bien avant. Boya dimanche, n'a pas Kakambalamo, de Tobandi. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambo Labino. Qui vous accompagne sur le chemin de retour. Kolo Abila Bino Nanzela Bozongi. Shalom, shalom. Kimia, Kimia.